Voilà, on est bon. T'es où mon fufu? Tu lui parles? Là. Ouais. Allez, go. Là. Bonjour monsieur. Aiden, le chauffeur te conduira à l'entrée du tunnel. Ça devrait t'amener au X-13. Allez, vas-y. Le temps presse. Les prochains missiles vont bientôt frapper la ville. Vous êtes au courant de beaucoup de choses, monsieur. J'ai l'impression que c'est tellement vite expédié, Peter. Oui, ça on l'aurait voulu avoir il y a 2 heures. Il y a 200 épisodes. T'es parlé de Lucas tout à l'heure. Ouais. Ben Lucas, c'est le mec à qui on a cherché les points américains là, de la meuf, de la gamine qui avait une voix comme ça là. On l'a pas physiquement vu, mais oui, c'est... Tout se connecte. Même si j'avais oublié qui était Lucas. Là, il a pas dormi, lui. Il y a pas un zombie dehors. Voilà. J'allais dire 2 euros qui s'endort au volant, mais on va dire que c'est presque ça. Eh bien, j'ai envie de te dire, mon cher Fufu, on est parti pour l'épisode 33. C'est ça, 33. Dans 43. Non, 43. 43 de Daylight 2. Nous, on s'est pas arrêté, évidemment. Comment il va, Fufu? Eh ben, ça va très très bien. Donc, épisode 43. On vient d'avoir un petit accident. Il y avait pas un zombie dans la rue. Quelque chose me dit qu'ils vont repop très rapidement, évidemment. Donc, les miliciens, c'est des bâtards. Jack Matt, il s'appelle. T'as pas deviné qu'on te suivrait? C'est pas le moment de régler ces comptes, Jack. Les renégats viennent d'entrer dans le nuage. Est-ce que tu vas les rejoindre? Je vais arrêter Waltz. Tu n'es rien d'autre qu'un traître pour moi. Tu es le traître! Ah! Est-ce qu'on irait pas à droite, Jack, utiliser le parapente et se tirer? On dirait que t'as vu un fantôme, Jack. 20 ans, vous allez tous mourir. Et ton vrai visage sera révélé. T'as dit à tes hommes que t'avais essayé de me tuer? Tu mens! Tu voulais tuer Williams pour cacher les preuves. Tu mens, Salibrog! Tuez-les! Mais ce sont des traceurs. Ils espionnent pour Williams! Tuez-les! L'armée s'est effondrée car elle a tiré sur des civils. Les pacificateurs sont là pour ne pas que ça se reproduise. Grady, je t'ai donné un ordre, bon sang! On suit les ordres d'un commandant. Tu n'es plus apte à diriger. Tu es aveuglé par la vengeance. Tu seras jugé! Il me suppliera de te laisser vivre! J'ai cru qu'il arrivait sur lui, t'es. Ouais, pareil. J'allais dire, oh, le coup. Ah, puis William, ça fait raison. Je dois prendre la clé à Waltz avant qu'il détruise la ville entière. Ok, Aiden. On doit chercher les blessés. Y'a Akon et tout, hein. Akon ira chercher Waltz avec toi. Fais gaffe. Ce nuage est un véritable mur de produits chimiques mortels. Il est trop tard pour s'inquiéter de ça, Frank. On dirait qu'il reste à nouveau plus que nous deux, hein, pèlerin. Allons botter le cul de ces renégats. Tes soliloques poignants m'ont manqué, Akon. Ouais, mais je suis prêt à parier que tu t'en lasseras vite. Y'a quand même des morts vivants à apporter de l'antisine. Ça pourrait être utile. Ok, je vais essayer de trouver les tunnels que Waltz a pris. On garde le contact radio. Chef, oui chef. Je prends le truc juste à droite direct, hein. Voilà, je te le dis comme ça, hein, gratuitement. Ouais, et après on se met la machette. Ouais, en cause on sera pas zaille. Hop. On a pris un petit niveau en plus. Tiens bah attends, hop sur l'échafaudage. Oh non, Fufu. Je sors de la zone de mission. Bon, c'est le préfet, bon, c'est moi aussi, je crois. Ok, bon, je suis posé, Fufu. Attends, je m'équipe, je m'équipe, je m'équipe. Donc, ça qui va remplacer ça. Et évidemment, on va le modifier. Tu vas mettre quoi? Tension électrique, étincelle. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Oh, le tension électrique, mon cher Fufu. Je vais mettre avec. Moi, j'ai déjà tout mis. J'ai mis explosion sur un, électrique sur l'autre. Tu sais, j'ai un peu varié les plusieurs. Ferraille. C'est la première fois, je tombe en panne de ferraille, mec. Et on va passer fouillé. Hop. Et on va reprendre.
Bon, Fufu, on est parti? Yes. Alors attends. Allez. Ok. Bon bah le mat, déjà plus personne ne le suit. Trouver l'entrée du tunnel, tu l'as toi? L'entrée du tunnel, oui, mais je sais pas du tout. Bah oui, c'est ça, il faut rentrer dans l'entrée du tunnel, Bibiche. Eh ben let's go. Bah oui, mais il... Bah moi ça me dit qu'il est quelque part par là. Ça met que vous êtes dans la zone de la quête, donc faut chercher dans ce coin. Ah, d'accord, je croyais... Non mais c'est pour ça que quand je te demande si tu l'as trouvé, tu me dis oui. Ah, ah bon. Oui, c'est dans ce coin. Est-ce que ça serait pas dans l'eau? Non. Je fouille l'eau, tu fouilles au-dessus? Vas-y, je fouille là, il y a plein de zombies. Ok. Et on va trouver. Ouais, tout est bizarrement ficelé. C'est même pas de la mauvaise foi, hein. C'est que j'ai l'impression que tout est très vite expédié. Bah, j'ai l'impression Matt, que pas de vengeance, rien. On passe à autre chose. Un missile, il vient de passer, on passe à autre chose. En vrai, un missile arrive, je règle mes comptes un peu plus tard. Ouais, non mais bien sûr. Mais oh putain, je crois que je l'ai, attends. Non, c'est une fausse alerte. Mais non mais ok, mais il a couru, enfin pas très... Ah bah c'est bon, je l'ai. Fufu, tu me follow, je crois que je suis dedans. Ouais, c'est bon, je suis dedans, je me transforme, Fufu. Oh, Fufu, je me transforme. Ah oui, moi aussi je suis en train de... Bah vas-y, on les tue. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de jouer à tout le jeu. Bah, c'est au moins un ulti qui nous permet de s'équiper. C'est dommage comme qu'on puisse pas l'activer comme on veut. C'est exactement ça. Je trouve que ça aurait été vraiment une phase de gameplay assez fou, quoi. Mais par contre, ça t'handicap. Tu sais, ça te. Oui. Je te trouve là. Et ben il va nous ramener avec lui. J'espère qu'il a assez de force dans ses deux bras. Oh, c'est Waltz. C'est vrai. Lui il maîtrise la forme de vampire. Tout ira bien. Vous allez la guérir? Je fais ce que je peux. Mais elle est faible. Beaucoup plus que les autres enfants. Mais tu peux la sauver, Aiden. Toi, tu peux la sauver. Il avait déjà une tête de méchant avant d'être un méchant. On était immunisé dès le début. Ah bah on est dans un parc. C'était quoi ça? Hakon! Hakon, t'es là? Hakon! Oh non! Non, 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 non! S'il te plaît, réponds! Est-ce que c'est ma faute? Je suis vraiment désolé. On l'a tué? Non. Mais non, il va répondre, t'inquiète. On dirait qu'ils sont passés par là. Ici la base Aiden, réponds! Hakon? Oh! Pourquoi tu répondais pas, merde? Je pensais pas que je te manquerais autant. Même ma quatrième femme a pas paniqué aussi vite. Je croyais que t'en avais eu trois. Ouais, parfois, je me trompe. C'est pour ça que ça marche jamais vraiment. Bref, je me suis perdu dans ces tunnels. Je vais essayer de te trouver. Oh, gros missile, hein. Oui, oui. C'est carrément une fusée, hein. Un petit scud, lui. Est-ce qu'on peut le regarder? Non. Ah bah tu vois, j'aurais bien aimé pouvoir le voir, prendre une trajectoire et détruire direct. Là, il a disparu. Alors, là. C'est là que ouais, tu vas. Je vais te trouver. Je vais te trouver et je vais te tuer. Ne vous approchez pas des zones contenant du produit chimique, monsieur Funeral. Ouais, mais c'est pas le pont de mort qu'on a déjà traversé? Non, c'est un autre. Donc, bah est-ce qu'il plaît, hein. On s'en fout. En vrai, on est transformé là? Ouais. Ah ouais? Bon vas-y, je les éclate hein. Pour une fois que c'est gratuit. Yo les gars. Hop, hop, hop. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis Ragdoll off. Les corps, ils vont à 4 milliards de kilomètres. Ah, dès qu'on est dans le noir quoi.
sais pas, je me suis transformé alors que j'étais en train d'affronter des gros zombies bien salaces. Et là, ah, c'est parce peur. Que moi je me suis. Parce que moi je suis sorti. Donc, vu que je me suis détruit. Bon, monsieur Funeral, vous savez bien que ce jeu n'est pas conçu pour jouer à deux. Attendez-moi! Non, non, mais en... tu fais quoi dans le tunnel? Je me fais tabasse par 30 millions de zombies! Moi, je voulais farmer des trophées! On peut pas, parce qu'on peut pas ramasser quand on est en forme c'est vrai. Méchante. Bah oui! T'es où là? T'es sûr que c'est par là? Ouais, ouais, ouais. Totalement. Totalement. Quelque chose qui ressemble à une grotte, mon fufu, je pense que ça peut être que là, l'issue. Hein. Voilà. Oh, mais tu te souviens de l'antenne? C'est là où le jeu a commencé, hein! L'antenne? Je crois que je les ai trouvés. Je suis à ça, la One. Le X13 est là où on a commencé le jeu, en fait. Ah ouais, le pont et tout? Ah ouais. On revient au début, aux origines. Le pont de la cinématique du début, là, quand on s'enfuit comme un caca. Mais ça, ça fait plus vibrer, hein. Ça fait 40 ans que les jeux vidéo existent. C'est cette là, ça fait plus vibrer, hein. Bah ça dépend, God of War, c'est bien. Quand on retourne à la maison, à la fin. Oui, mais là, ça n'a rien à voir. On retourne à la maison récupérer un truc, on retourne pas en Grèce, tu vois, c'est, ça n'a aucun sens. En plus, avec une musique. Oh, ça y est. Avec des grosses voix et tout. Le X13, enfin. Ça, c'est quoi, c'est un avion? Oh, c'est le sniper. C'est la sœur. T'es un con. À ce que je vois, tu t'attires toujours des ennuis. Je reconnais même plus. T'as suivi le jeu ou pas? Oui, c'est elle, mais je vois pas que ce soit elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'avais pas de logique pour qu'elle soit là. J'ai rencontré quelques mordeurs en chemin. Rien de bien grave. Ça a rien de bon. Et toi? T'es en danger avec moi, Lawan. On va tu là-dessus. Le sais. Mais tu comprends rien. Ces bâtards ont détruit tout ce que j'ai et tout ce que j'aime. Tous ceux qui sont morts dans l'attaque. Frank a failli passer. Je veux pas te perdre toi aussi. T'inquiète pas, tout ira bien. Ah oui? C'est ce que tout le monde dit. Regarde-moi, Lawan. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi, Lawan. Je te jure que je reviendrai. Oui, bien sûr. Parce que je viens. Lawan! Franck, arrêtez pas de dire que j'avais les tops d'un traceur. Voyons s'il a raison. Les dames d'abord. Ah ouais, tu veux que je me déshabille pour voir? Vraiment l'impression que même chose, les ascenseurs, c'est ça l'ambiance. Hein. C'est de pierre en pierre, n'est-ce pas? T'es tout pâle. Ça va aller. On va se transformer, on va juste là-dessus. Avant que ça en pierre. On va arrête de croire que le jeu, c'est un jeu vidéo, tu vois bien qu'il est en simplicité, donc non. Ouais, on va aller. On va pas la tuer gratuitement pour rien. Si. Hein? Non, mais dans une scène émotive. Oui, mais pas dans un ascenseur. Mais non, pas dans un ascenseur. Tu vois bien que le jeu est mal conçu depuis le début, ils vont pas avoir une preuve de génie d'un coup. Attends. Je vais utiliser mon super pouvoir de Hulk. Trophée obtenu, ça descend. Lawan, t'es là? Lawan! Ok. Alors attends, parce que j'ai des points de compétence, mon ami. Et je vais prendre saut de rebord. Hop, voilà. Là, on est bien amélioré. Tu t'es équipé dans quoi, toi? Deux. Ah ok, bah t'as des points de compétence normalement. Je me suis occupé des gardes, mais j'ai aucune idée. J'ai eu un point de combat. La fufu. Ah d'accord, ok. Tu ouvres des caisses? Je sais vraiment pas comment ouvrir. Essaie de trouver un autre moyen d'entrer. Alors t'es où? Crochetage difficile. Ok. Allez, ça, c'est fait. Oh, ça a l'air nul. Ok. Attends, parce que je crois que là-bas aussi, il y a des caisses. Écoute, je te le dis, je veux pas en faire des caisses, mais il y a encore deux crochetages ici, c'est un enfer. Oh, grenade maison. Ça, c'est pas mal. T'as ouvert de ton côté? Ouais.
Il y avait quoi? Rien de... Okay, une veste. Je viens de recrocheter ici. Une petite veste. Une petite vestouille. Une petite vestouille. Tiens. Voilà, un casque de niveau 5, c'est pas mal. Et là... Alors, des gants de niveau 5. Alors, attends, je vais les équiper. Inventaire. Un casque, je l'ai, le niveau 5, il est là. Voilà. Et j'avais dit quoi? Des gants de niveau 5 qui sont là, évidemment. Voilà. Et des chaussures. T'as des chaussures de niveau 5, toi, ou toujours pas? J'ai des chaussures de niveau 4. Incroyable, tu nous régales, mec. Tu le sais, ça. Je sais. On va où? Bah attends, si là, ça vient d'ouvrir. Ah, on peut s'abriter ici, je ne sais pour quelle raison. Ah bah derrière, ok, d'accord. Ok. On fouille, un peu de ferraille pour les braves. Histoire de faire un petit charme. Ah, tu entends ce bruit? Quoi? Oh, ok. Voilà, c'est un... Un renégat qui se bagarre. Wow. Il a sauté à côté. Il m'a fait peur en te faisant, en te faisant dessus, quoi. Ah, tu l'avais pas vu au début? Ah non. Attends. Oh. Quoi? Mais comment t'as pu l'achever? Bah, j'ai fait mon double star shot et il a clippé dans le mur, donc ça l'a tué. D'accord, ok. C'est mon explication logique. Non, mais parce qu'il était full life, alors moi j'étais en mode je lui mets un coup d'épée, ça fait rien, tu mettais d'autres choses dans les yeux et le mec, ouais, il est mort instant. C'est des chaussures niveau 4, hein, tu comprends? Ah, ok, ça va alors. Voilà, tu vois. Attends, il y a un crochetage. Ici, trophée inhabituel, infecté rare. Voilà, ça c'est bon. En plus, c'est très bizarre ce qui se passe ici. Ah, une petite veste de niveau 5, mais violet. Ah si, c'est bon. Allez, on y va. Porte suivante. Maintenant que j'ai retrouvé comment faire mon double star shoot, je vais le spammer. Hein. On va faire de salle en salle là, vraiment? Ah, de chargement en chargement. Arwan. Allez là. Bon, enfin nous on en a tué 6 hein, il y a 2 secondes. Hein. Ouais, mais elle a mal au ventre. Hé, hey, tu vas bien? J'ai mes règles. Ah ouais. Pas tant que ça. Montre-moi. Laisse tomber. On a de plus gros problèmes. Regarde. Remarque, on avait mis une gifle à la meuf, la scientifique. Oh mon dieu. Ouais. Alors, ouais, c'est pour ça, c'est bah, on peut avoir peur d'autre chose. Il collectait de la bouffe ici, du carburant et de l'eau. Mec, regarde ça. Putain, ils ont ramassé des provisions ici. Te jure. Je veux le B4, s'il vous plaît. Ça alors? Le GRE a construit cet endroit pour que des personnes survivent à l'épidémie. Comme l'arche. L'arche? L'arche de Noé. Dans la Bible. Oh, il fait exprès, Eden, il est débile. Seulement là, le but était de sauver des couples d'animaux. Et ici, sûrement des enculeurs de chèvres du Ça GRE. Ça a pas l'air d'être fait pour les gens normaux. Non, c'est des connards d'égoïstes. Et on dirait que personne n'est arrivé jusqu'ici. Le virus a été plus rapide qu'eux. Justice a été faite. Ah, avant le début de l'infection. Walt s'est passé par ici, c'est sûr. À stocker. Il savait qu'il y avait tout ce qu'il lui fallait pour survivre. Il faut qu'on le trouve. Tu piges? Moi, c'est pour ça que je suis là depuis le début, si jamais, Michel. Ça fait 30 épisodes qu'on aimerait aller ici. 40, monsieur Funeral, maintenant. Oui, mais je me dis qu'au bout des 10 premiers, c'était cool. C'est l'intro. Attends, j'y vais en premier. Je vois rien. Cache-toi! Hop, elle est repartie. Elle est venue, elle prend la flèche et elle repart. Je jure. Bon, bah, sors ton arc, hein. Au pire, hein, sors ton arbalète. On va s'en. Oh non, non, je vais leur faire un double star shoot. Non, non, je retourne derrière le mur. Moi je les mets mid-life. Oh putain. Hop, c'est bon. Allez, ça dégage. J'ai tué 2 archers en haut. Tue ceux qui sont en hauteur seulement. Hein. J'essaye de te cover. Attends, y'a un mec au sol qui me casse les couilles. Alors attends. C'est quoi ça? Ah mais c'est quoi qui me... Attends, quoi? Ah mais enculé! Oh la vache! Attends, mais ouais. Ah, là ça me plaît. Allez, boum. Boum, boum. Enfin. Je me suis dit, putain, on va se faire une scène, il y en aura pour 2 heures.
Je te jure. Oh putain, y'a même les mecs de la jaquette. Ouais, je te jure. Au début, je croyais que c'était toi en fait, mais. Comment il a survécu? T'as vu les abdos qu'il a? Il était strong, hein. Putain, y'a un mec en feu, mais comment il a fait pour être en feu? Mais c'est un gars de la jaquette. Faut le tuer en priorité, hein. Ouais. Ok, bah GG. Attends, il reste 30 mètres. Ouais, il reste un mec. Jaquette. Attends, il vient de jeter un cocktail Molotov? Ouais, non, là, c'est un redégat classique. Ok. Bon, je vais Lawan, tu veux voir mon côté bestial? On va sûrement lui casser la gueule, hein. Lawan! Bam, bam, bam! Des gros gifs. Oh, Lawan. Déjà, tu pisses le sang. J'ai vu les plans, Aiden. La salle de contrôle est dans cette direction. Walls doit chercher quelque chose là-bas. Trouve-le, Aiden. Je ne t'abandonne pas, Lawan. Je vais essayer de trouver des bandages. Je te laisserai pas ici. Oh, arrête de jouer à la maman poule et vas-y. Lawan! Non, putain! C'est trop tard. Je vais les tuer. Je vais mettre ces salauds en pièces. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour ça? C'était ridicule, il est arrivé comme un gobelin là, hein. C'est rien comparé à la gueule de bois. Non mais on est d'accord, c'était... Oui. Pas d'art, on dirait pas qu'il est triste. Qu'il cachait pas la bouteille. Il est pas plus affolé que ça. Je m'en souviens. Aiden, trouve Waltz et prends-lui cette putain de clé. Ou on va tous crever. Je vais avec lui. Non. Sors-la d'ici. Tu me rattraperas plus tard. Oui, chef. Le mec le plus convaincu le plus rapidement au monde. Je vais avec lui. Non. Oui, mettre chef. En sécurité avec ton ex-femme. Ah ouais, c'est vrai que c'est un meilleur plan. Attends, quoi? Oula. Oula. Ça prend mieux, j'espère. Oui, oui, oui. Bah oui. Non, c'est j'ai pas l'impression. Non, je crois que c'est infiltration, mon cher ami. Oh, c'est bien aussi. Claque des dents et tout. Pourquoi on peut pas se transformer sur commande, putain? Bon. Bah non, mais c'est bien, une petite phase d'infiltration, c'est bien. Y'a un mec là. Il y en a partout, monsieur Mimouille. Il est énorme. Il est énorme ici. Elle est bien? Elle est bleue. Et y'a un coffre violet dans le camion. Attends, fais R3 tout le temps. Attends. Je suis sur l'arme. Ça me donne pas ces dégâts. Crochetage difficile. Je crochette. Ah bah j'allais dire je t'éclaire mais dans le jeu c'est pas prévu. C'est pas fait pour. Ok, faut qu'on aille bah... Oh putain! Tu sais qu'au sol on peut ramasser tous les trucs intéressants là? Ah oui les... Je crois que bah ouais. Tu les vois les trophées? Ouais mais moi qu'on en a vraiment besoin à l'épilogue. Ouais. Ah, y'a un booster d'immunité et un pantalon. T'es pas foufou, hein. C'est pas dingue, 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 dingue. Elle m'a vu dans la pénombre, elle me rend dingue, dingue, dingue. Attention, il arrive. Il arrive, le cache-toi très vite. C'est Bimoy. Ça va faire mal quand il va nous voir. Allons-y, vite avant qu'il se retourne. Non, je crois pas que ça soit une bonne idée, Bimoy. J'y vais, à fond, je fonce. Il m'a vu, ding ding ding. Aïe! Il t'attaque, il faut courir très vite. Il m'a... il m'a one shot, ding ding ding. Monsieur B-Boy. Je suis mort. Allez, on va la refaire, on est bardi. Il t'a tué aussi? Bah, moi, il m'a tué dès le début, frérot. Ah. Mais non, mais il faut pas aller quand il est sur le corps. Il faut attendre qu'il fasse demi-tour, frérot. Non, mais c'est parce que t'es venu trop tard. Bah non, j'étais juste derrière toi. Moi j'étais passé calme. Ok, on y va à 10. 1, 2, 10. Ok. Cachez-vous bien là. Lui il sait pas ce qu'il fait. Non, on est mort là, il va nous voir là derrière frérot. Mais non, colle-toi sous le camion. Ouais, tranquille. Ah tiens, on va passer par là, hein, c'est à 18 mètres, hein. Attends. Attends, à droite, il se lève, à droite, il se lève, attends. Il a pas vu, il a pas vu, il a pas vu.
Je crois qu'il t'a vu. Mais non. Regarde, je vais faire un bruit. Non, il non, va non. Me... Va à droite, va à droite, va à droite, va à droite. Va à droite. Va à droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faudra aller à gauche, là. Derrière. Derrière, derrière, à gauche. Oui. Non, mais il nous a pas vu. En fait, faut jongler à gauche et à droite. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut parler leur langage, faire comme eux. Là, prépare-toi. Laisse-le. Attends, fais gaffe, parce qu'à gauche... Non, non. Ah ! On est mort, bang, bang, bang. Regarde-les. Alors. Bon, premier arrivé. Premier arrivé, c'est un beau gosse. Vas-y, Pupu, je t'ai fait la voix. Allez, on est reparti. Mais d'où il nous voit sous le camtar ? Oui. Attends, bon, est-ce qu'on peut aller sous le camtar depuis ici ? Non, c'est seulement de là-bas. Non, on peut aller là. Si, ici, on peut là. Prendre. Ouais, hop, j'ai pris un... des baskets de secours. Oui, mais on va pas sortir par là, on va sortir de l'autre côté. Attends, ding, ding. C'est bon, j'y suis. Dis oui à la vie. Et je ding, ding, ding. Attends. On y va maintenant, tout de suite. Maintenant, oui, oui. Tout de suite. Tout de suite. Je suis bloqué. Je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Ces choses qui m'entourent. Comme un trou de balle noué de tresse. C'est bon, y'a pas une porte à fermer là-dedans là ? Voilà, bon, j'arrive la lampe torche. Stop, 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 stop avant d'y aller. Oui. Top, 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 on va mettre fin à l'épisode ici, évidemment. Ok. Ah, quoique, on sait pas ce qui nous attend. Mais on met fin quand même à l'épisode. Allez, c'est la fin de l'épisode 43, c'est ça ? 3, ouais. On vous fait des bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt pour la fin de notre aventure sur Dave Night 2. Bisous tout le monde, ciao, ciao. Bye.